La fête du Lac des Nations s'est terminée en beauté dimanche soir avec une météo favorable et des artistes très prisés. D'abord le groupe drummondvillois Caïn, puis les Trois Accords qui ont offert un concert débordant d'énergie. Merci beaucoup! Bonsoir, Charlie! Si on compare l'an dernier, c'est mieux. Pas au niveau de la température, au niveau de la foule. Avant ce soir, on était à 140 000, ce qui est à peu près ce qu'on s'attendait. Peut-être un 10 000 de plus, mais faut dire que la température n'a pas été très, très agréable pour nous, quatre des six soirs. On s'est entendu au niveau du conseil d'administration pour mettre environ 100 000 $ de plus dans l'aspect culturel de la fête, et je pense que ça, ça nous rapporte. Les spectateurs en ont eu pour leur argent également côté feu d'artifice. À ce chapitre, justement, c'est la compagnie Feu d'artifice Boréal du Nouveau-Brunswick qui a remporté le concours. Son spectacle pyrotechnique de samedi soir était présenté sur des chansons de Metallica. C'est la troisième fois que ces habitués de Sherbrooke remportent la compétition. Sherbrooke, ça fait plusieurs années que je viens ici, puis j'aime bien ça venir ici. Le monde connaît les feux d'artifice, le monde apprécie les tableaux pyrotechniques qu'on peut créer. Le monde reconnaît qu'on fait du travail un peu artistique. Puis Sherbrooke, c'est sûr que c'est des connaisseurs. Avec toutes les années qu'il y a des feux d'artifice ici, c'est super intéressant de venir à Sherbrooke. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai dit « je viens pour les feux ». Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est le fun. C'est plate qu'il n'y ait pas eu de la belle température. Hein? Écoute, c'est super intéressant. Du beau monde. Les feux sont beaux. Le show est bon. C'est merveilleux. Ça a été super entraînant. Il y avait plein de gens. Puis les concerts étaient très intéressants cette année. Surtout Edley. Puis là, il y a les Trois Accords à soir. C'est vraiment bien. Il y a certainement des choses qu'on va répéter. Le plus bel exemple, c'est encore la journée d'hier où c'était réellement les îles, Habana Café, etc. Une parade de Rio de Janeiro. Alors, on va répéter ça. Les loges deux étages, probablement qu'on va répéter ça. La journée country, il va falloir modifier quelque chose là-dedans. Là. Ça n'a pas été assez populaire à mon goût. Un petit peu de déception de ce côté-là. Oui.